Alors, elle s'appelle la Vierge Noire. Alors, elle vient du Brésil. En fait, c'est une histoire assez drôle. J'ai demandé à mon compagnon de me ramener une vierge pour l'offrir à Olivier Pie. Parce qu'il aime, il aime beaucoup les vierges, il aime, voilà. Et moi aussi, j'aime beaucoup les vierges d'ailleurs. Mais donc, mon compagnon m'a ramené une vierge noire. J'ai dit, ah, oh, c'est extraordinaire, il n'a jamais eu de vierge noire, c'est formidable, il va être super content. Et donc, à chaque fois que j'ai dû lui donner la vierge noire, dit, écoute, passe chez moi, il pouvait pas. Alors, un jour, j'ai emballé la vierge noire, je l'ai mis dans une belle écharpe et tout, j'avais une émission de radio, il devait être là aussi. Je lui dis, écoute, je dois te donner la vierge noire, je l'ai vraiment bien emballée, je lui ai dit au revoir, je lui ai dit, tu vas aller chez Olivier, tu vas être heureuse et tout, ça va être super. Et en fait, il m'a dit, non, non, j'ai pas le temps, tu me la donneras plus tard. Et donc, la vierge noire est revenue chez moi. Et là, je l'ai reposée sur mon buffet, je me dis, maintenant, tu ne bouges plus. Parce que je me sens pas de te dire au revoir plusieurs fois. Et comme je suis un peu superstitieuse, à vrai dire, et ben je l'ai gardée. Et Olivier, avec Olivier Pie, c'est tout le temps une boutade entre nous, me fait, alors, cette vierge noire, hein? La vierge noire, je l'attends toujours. Et je dis, oui, non, non, mais je vais t'en offrir une autre. Maintenant, je peux plus la déplacer, je te jure. Elle m'a fait trop de bien, cette vierge noire. Elle m'a donné trop de bonheur. Et donc, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je suis trop superstitieuse. Voilà, c'est tout.